Des maths? Bon, alors maintenant que le deuxième troupeau est arrivé, on va pouvoir commencer. Alors, j'ai eu plusieurs requêtes suite au cours de la dernière fois, pour au truc, on va passer un truc de la dernière fois. Il y a des choses dont vous avez envie que je vous parle particulièrement, donc j'aurai évidemment pas le temps de tout aborder ici maintenant, mais j'en ferai d'autres du coup si c'est toujours d'actualité, si vous avez toujours envie que je parle de tout ça. Notamment, il y a les dérivés partiels, il y en a qui me disent j'aimerais bien qu'on reparle de ça, pourquoi pas, je pourrais en parler une autre fois. Je ne le ferai pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de deux choses. D'une part, les changements de variables, parce que plusieurs m'ont posé des questions sur ça, donc je vais y revenir un petit peu, vous montrer l'esprit de ça. Et puis vous parler d'intégrale sur facile. Alors, le changement de variable, c'est une technique, en fait. Hein. C'est juste une technique, c'est un outil, voilà, qui permet de calculer certaines intégrales qui sans cet outil, on ne pourrait pas la calculer. Prenez les mots, faites une phrase. Par exemple, si vous cherchez à calculer l'intégrale de ce type-là, intégrale de x dx sur racine de 1 plus x2, entre 0 et 1. Donc quand on essaye de calculer, ce qu'on veut dire en général calculer, bah, c'est trouver la valeur de ça, et une des méthodes pour faire ça, c'est de calculer la primitive qui est là, et de dire que ça, c'est ici la primitive de ce qui est ici, prise entre 0 et 1, c'est-à-dire la primitive de ce truc-là. Dans pas mal de situations, on se retrouve avec des fonctions dont on ne sait pas calculer immédiatement les primitives, ou on ne voit pas forcément quelle est la primitive de ça. Le changement de variable, c'est une méthode pour simplifier l'écriture qui est ici, et donc l'écrire sous une forme qui va faire apparaître plus directement la primitive. Par exemple, quelqu'un qui a l'habitude de ça, qui a l'habitude des intégrales ou de certaines intégrales, moi si je vois ça, immédiatement je me dis, bah là le truc évident à faire, c'est d'introduire une nouvelle variable, y, qui va être égale à x carré. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Là, je vois tout de suite que là-dedans, ça va simplifier l'expression. Pourquoi ? Ben, je vais remplacer là-dedans tout ce qui dépend de x par cette nouvelle fonction y. Je vais me retrouver là-dedans avec que des choses qui dépendent de y. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont être plus simples. Alors, par exemple, je peux remplacer ici, je pourrais me dire, tiens, je vais remplacer x par racine de y. Très bien, remplacer x carré par y. Et la question se pose du dx. Là. Qu'est-ce qu'on en fait du dx ? Comment est-ce que le dx est transformé quand on passe à y? Ça, pour ça, il faut se rappeler de ce qu'on a fait la dernière fois. J'ai passé pas mal de temps sur une expression, une formule qui reliait des différentiels. Vous vous souvenez, hein, le d de quelque chose, c'est ce qu'on appelle une différentielle. Vous vous souvenez que si j'ai une fonction y de x, dy, c'est donné par y' de x, dx. Vous vous souvenez, cette formule, c'était avec les prix, hein, et c'était indiqué vraiment sous cette formule. Elle était même à cet endroit-là au tableau. Donc ben voilà, ici, y de x, c'est x au carré. Donc si j'applique la formule qui est ici à l'expression qui est écrite en jaune là-bas, le dy dans ce cas-là, il vaut la dérivée de y par rapport à x, c'est quoi ? 2x, dx. Voilà. Et vous voyez du coup apparaître, ici il y a x dx, bah c'est le terme qui est ici, en fait, c'est le numérateur x dx. C'est pour ça que, quand on a l'habitude, ça on le voit arriver assez vite. Et du coup, l'intégrale qui est ici, on peut l'écrire sous la forme. Le x dx, je vais le remplacer par 1 demi de dy. Ici, dans la racine carrée, je vais remplacer x carré par y, parce que c'est comme ça que j'ai défini y. Et on se retrouve avec une intégrale qui a une nouvelle forme, et celle-ci est plus simple. Je vais sortir le 1,5 parce qu'il n'est pas beau à l'intérieur, et je me retrouve avec ça, dy sur 1 plus y. Bon, ben ça, c'est un petit peu plus simple que ça. Déjà, il n'y a pas le carré ici, il n'y a pas le y au numérateur, et ça, en fait, avec un peu d'habitude, ça, vous connaissez la primitive de ça, puisque c'est quand on dérive racine de 1 plus y par rapport à y, ça donne justement l'expression qui est ici. Il faut faire attention, il y a un 2. Ben non, ben c'est exactement ça en fait. Quand on dérive ça, on obtient 1 demi de 1 sur racine de 1 plus y. C'est ça. Oui. Il faut rajouter un 2. Pardon ? Il faut rajouter un 2. Alors, sauf qu'il y a le 1 demi qui est là. Oui, mais il est dehors du coup. Donc, ça, c'est égal à tout ça. Hein. Ouais.
Donc il y en a un demi de l'intégrale, si je peux l'écrire. Okay. Un demi de, et ici je vais mettre un 2 comme ça, c'est peut-être plus clair de cette manière-là. Donc ce qui est dans le crochet, du coup, c'est vraiment la primitive de ce qui figure dans le signe intégral ici. Les bornes qui sont ici, bah, il faut prendre les bornes qui vont bien. Avant, c'était des bornes en x. X valait toutes les valeurs entre 0 et 1. Bah, y, ici, ça vaut toutes les valeurs entre 0 carré et 1 au carré. Bah, il se trouve que là, c'est encore 0 et 1, c'est les mêmes. Ce n'est pas forcément le cas. Et voilà, et donc du coup, l'intégrale ici, elle vaut racine de 2 moins racine de 1. Voilà. L'intégrale qui est là-haut vaut ça. On s'en fout, hein, on s'en fout de la valeur, on est bien d'accord. Mais voilà. Donc dans ce que vous avez fait avec Pascal la dernière fois, quand il vous a parlé du changement de variable, vous aviez un R, dr ici, et puis quelque chose en bas qui dépendait de R carré. Donc c'est un changement de variable de ce type-là qu'il avait en fait. On y reviendra tout à l'heure. Monsieur, oui. À partir du moment où on a mis des Y, nos bornes, c'était plus juste 1 et 0, c'était 0 au carré et 1 au carré. Oui, tout à fait. Alors je vais effectivement l'écrire, et sauf que là, numériquement, c'est la même chose. Donc je vais l'écrire comme ça. Et juste, pour clarifier ce point-là, je vais prendre l'intégrale entre 0 et 2. D'accord ? Parce que comme ça, on aura des bornes différentes. Si j'avais écrit l'intégrale entre 0 et 2, on se retrouve du coup ici avec l'intégrale entre 0 et 4. Ici, 0 et 4. Ici, entre 0 et 4. Et du coup, ça aurait été racine de 5 moins 1. Voilà. Pédagogiquement, c'était effectivement une très mauvaise idée de prendre 0 et 1 comme borne avec cet exemple. Merci. Ça va, ça ? Donc, alors... Ce qui est difficile là-dedans, c'est pas le changement de variable lui-même. Si on vous donne une intégrale et puis qu'on vous dit faites le changement de variable de ce type-là et transformez l'intégrale, c'est assez automatique en fait. Hein. Il y a juste à appliquer l'expression qui est ici là, pour relier le d de la nouvelle variable au d de l'ancienne variable. Ce qui est difficile en général, c'est de trouver vous-même le changement de variable. De se dire tiens, c'est ça le variable, le changement de variable intelligent qui va falloir faire là-dedans. Pour calculer l'intégrale. Alors, je ne veux pas multiplier les exemples, je veux juste vous en donner un autre, en fait, une intégrale qui intervient assez souvent, et juste pour vous montrer un cas où vous n'auriez peut-être pas trouvé directement la primitive. Là, si vous êtes habitué avec les dérivés, vous auriez peut-être trouvé que la primitive de tout ça, là, c'est effectivement racine de 1 plus x carré. Ça, on peut peut-être le voir. Il y a des cas où c'est un peu moins évident. Et par exemple, si vous avez demandé, si vous avez à calculer l'intégrale de 0 à de a à b, allez, on va mettre des bornes comme ça, de dx sur racine de 1 moins x2. Ah, elle est bien celle-là, elle est bien cette intégrale. Là, c'est un truc qui est un peu plus difficile pour vous, donc si ça vous amuse, vous chercherez directement la primitive de ça. Mais pour calculer ça, on fait appel à un changement de variable, donc là qui est vraiment intelligent, c'est d'écrire que x... c'est égal à cosinus d'un angle, θ par exemple. Et vous allez voir que quand on fait ça, il y a plein de trucs là-dedans qui se simplifient tout seul et l'intégrale elle est élémentaire. Faisons-le. Donc la nouvelle variable maintenant, attention parce que tout à l'heure quand j'ai fait un changement de variable, j'ai écrit y, la nouvelle variable, égale l'ancienne au carré. Ici c'est un peu plus subtil, c'est l'ancienne qu'on écrit comme quelque chose qui dépend de la nouvelle ici. Et voilà, la nouvelle variable ici maintenant c'est ça, on dit qu'on a fait le changement de variable en passant à la variable angulaire θ. Et bien j'utilise la formule qui est ici, bêtement, hein, vraiment bêtement, j'ai ici dx qui est relié à dθ avec ici la dérivée de ça par rapport à θ. C'est quoi la dérivée de cosinus par rapport à θ? Sinus, moins sinus? Moins sinus. Ok. Bon ben, je remplace là-haut. Donc ça fait moins sinus θ dans θ. Sur racine de 1 moins, et je remplace x par cos θ, donc ça fait 1 moins cosinus carré θ. Et là, on pleure de joie, là. Parce que, alors, les bornes, je vais en parler un petit peu après, mais quand on regarde ce qui se passe ici, le dénominateur, qu'est-ce qu'il vaut? Racine de sinus carré θ. Ça vaut effectivement racine de sinus carré θ, donc ça veut dire valeur absolue sinus θ, en fait. D'accord? Alors, on va considérer ici que les bornes, elles sont telles que le sinus a une valeur positive. D'accord? Pour pas m'embêter avec les valeurs absolues pour l'instant. Donc ça donne ici moins sinus θ dθ sur sinus θ. Les sinus θ se simplifient, on a juste l'intégrale de dθ. Et donc ça fait ça, moins θ pris entre la borne du dessus et la borne du dessous. Alors je vais leur donner d'autres noms, C et D.
je vais, parce que c'est là que réside du coup la petite difficulté dans le calcul. Et donc ça fait simplement moins d moins moins c, ça fait c moins d. Donc l'intégrale qui est ici, elle s'écrit simplement comme là, cette borne-là moins cette borne-là. Et c'est ça qu'il va falloir maintenant déterminer. Et le calcul, du coup, il y a plein de choses qui sont simplifiées là, dans l'expression de cette intégrale. Alors les bornes qui sont là, qu'est-ce qu'elles valent? Que vaut le d qui est ici? Et bien, le d qui est ici, c'est la valeur de θ. Je vous rappelle que x, c'est sinus θ, on a posé ça comme ça. C'est la valeur de θ pour laquelle on a x qui vaut b. X, c'est cos θ. J'ai pris cos, pardon. Donc x, c'est cos θ, merci. Donc du coup, quand on a x ici dans la bande supérieure qui vaut b, on veut que, on veut ici pour d, la valeur de l'angle θ, la nouvelle variable, pour laquelle on a effectivement x égale b. Donc on veut le cos d ici est tel que le cos de cet angle-là, d, est égal à cette borne-là, b. Et de la même manière, lui, là, le cosinus de cet angle-là, il est tel que le x vaut a. Donc le c qui est ici est relié à a de cette manière-là, le d qui est ici est relié à b de cette manière-là. Alors ça fait appel à des fonctions, je ne sais pas si vous les avez vraiment rencontrées souvent, mais on note ça, on note que c'est arc cosinus de A. Ça veut dire ça, c'est le nombre dont le cosinus du coup vaut. Et ça, là, on le note, D est égal à arc cosinus de B. Du coup, l'intégrale qui est ici, là, si on reprend ce que j'ai écrit tout à l'heure, elle vaut C moins D, c'est-à-dire arc cosinus de A moins arcosinus de B. Encore une fois, ce résultat-là, il n'est pas spécialement intéressant en soi, on s'en fout que ce soit arcosinus ou autre chose, mais c'est juste vraiment la méthode. Voilà. Les changements de variables permettent aussi, si on fait ça de manière maligne, de calculer ce genre d'intégrale. Alors, oui. Tout à l'heure, sur l'autre exemple, le verbe de Bohm, c'était 2 qui devenait 4, alors qu'on a le changement de variable, c'était de passer au carré. Oui. Donc ici, la borne qui est ici, c'est toujours la valeur de la nouvelle variable qui correspond à l'ancienne ici. Tout à l'heure, on avait, dans l'ancienne intégrale, on avait intégrale de 0 à 2, avec des dx ici, puis tout un tas de trucs devant. Et on était passé à intégrale de dy, avec tout un tas de trucs devant. La valeur qui est ici, du coup, c'est la valeur de y qui correspondait à x égale 2. Ça va? Donc la valeur de y correspond à x égale 2, comme y c'est x au carré, ça, je le mets au carré, ça fait 4. Pof. Ça va? D'accord. Mais du coup, alors je continue quand même sur ça. Dans l'exemple qui est ici, on a intégrale entre a et b de dx. On passe à une intégrale sur θ. Donc la valeur qui est ici, c'est la variable de θ qui, dans le changement de variable, donne pour x la valeur b qui est ici. X est égal à cosinus de θ. Donc on va mettre ici la valeur de θ qui donne x égale b. J'aurais pu écrire directement à partir de là, d'ailleurs, θ est égal à arc cosinus de x. Hein. Ça aurait été le pendant de tout à l'heure, y égale x2, là c'est θ en fonction de x, c'est θ égale arc cosinus de x. Donc la valeur qui est ici, c'est arc cosinus de b, et la valeur qui est là, c'est arc cosinus de a. Ça, c'est, voilà, les changements de variables, c'est ce genre de truc. Donc, je vous invite ça à en faire hein, de temps en temps, comme ça. Si vous avez le courage et si vous voulez que ça soit évident, les calculs d'intégrale pour vous, c'est pas un but dans la vie, mais si vous voulez, vous en faites une par jour. Voilà, vous allez... Non, mais sérieux, hein. Une par jour, ça prend 5 minutes. Vous avez autre chose à foutre, c'est ça. Vous allez à la BU, vous prenez un bouquin de maths, de première année ou de prépa, j'en sais rien. Vous avez des feuilles d'exo à la fin avec souvent les corrigés. Une intégrale. Et la solution, et puis vous le faites. Quoi. Si vous voulez, je peux aussi vous en proposer, moi, vous proposer une liste d'une vingtaine, ça vous prendra 4 semaines à faire ça, et au bout de 4 semaines, vous serez des pros d'intégrale. Non, sérieux, hein, c'est, y a pas... Et quand je vous dis qu'il faut être malin pour trouver les intégrales et tout ça, vous dites peut-être, ouais, bah, passer de là à là, j'aurais absolument jamais trouvé, ben non, effectivement, mais simplement, moi non plus, j'aurais jamais trouvé, mais voilà, j'en ai fait, ça, j'ai rencontré 3-4 fois, et puis au bout d'un moment, on commence à reconnaître, quoi. Ah oui, tiens, ça ressemble à autre truc, on essaye, des fois ça marche pas, on tombe une autre expression encore plus compliquée, on ne sait pas la résoudre non plus, donc bah voilà, c'était pas le truc intelligent. Des fois, il y a des intégrales pour lesquelles il n'y a pas de changement de variable intelligent, voilà, on ne sait simplement pas les calculer, il y en a comme ça, il y en a pas mal.
Mais des fois, voilà, il y en a qu'on reconnaît, puis on arrive à les faire. Donc ça, c'est vraiment une question de familiarité avec ça et d'en avoir fait un paquet. Je passe au volet 2.